Bienvenue sur CryptoPunkStar. Vous avez donc Equinox qui lance son public testnet. C'est en live. Je vous explique comment ça se passe. Allez, c'est parti. Vous êtes sur Twitter. L'annonce est officielle sur le Eclipse Phi. C'est donc le Twitter de Eclipse Phi qui l'a affiché. Vous allez simplement déposer et retirer des fonds. Hein, ce sont des fonds en testnet sur la blockchain Neutron. Comment ça se passe? Alors vous avez ici un lien que je vous mets en description et dans tous les flux sur YouTube où je peux publier. Et vous allez donc comprendre le testnet donc, qui est donc à déployer. Alors vous devez démarrer donc la connexion. Ensuite, vous avez donc des tutoriels qui seront à regarder sur YouTube. Et vous avez donc des tests à faire, donc de dépôt et de retrait. Okay? Pour l'instant, on en est à la phase de dépôt. Et ensuite, à partir du 17 juillet, vous serez sur la phase de retrait. Nous avons donc un feedback que nous souhaitons partager avec le formulaire Google ici. Et vous pouvez savoir ce qu'est donc Equinox. Et vous pouvez en savoir plus sur la plateforme de Launchpad Eclipse Phi. Okay? Donc tout le déroulement est ici, hein, c'est assez simple. Hein. Vous collectez des NTRN, voilà, que vous avez soit depuis leur Discord, soit depuis le Telegram Channel. Il vous faut ces tokens de test. Et sur la plateforme, vous pouvez les réclamer aussi. Hein, d'accord? Vous avez un bouton Claim qui est juste là. Et vous n'avez plus qu'à faire le nécessaire pour suivre le tutoriel ici en vidéo. Donc en fait, ça se passe comme ceci. Vous avez en haut un bouton claim qui est juste en haut à gauche, que moi il est en... On ne le voit pas parce que j'ai déjà fait la réclamation. Ça va vous permettre de recevoir des tokens. Vous pouvez aller aussi sur Telegram, juste ici. La phase là de dépôt, elle dure 4 jours. Pour déposer, soit vous déposez en single side vault, soit vous déposez en Eclipse Astro et X-Astro LP. Okay? Donc on fait les deux exemples, on va les faire ensemble. On clique sur Deposit. Une fois que vous avez vos tokens de test, bah, vous pouvez faire le dépôt. Moi, je vais mettre 25% ici. Je vais cocher que j'accepte les conditions et je vais avoir un calcul de mes rewards. Et j'ai plus qu'à comprendre et à confirmer la transaction. Évidemment, il vous faudra votre portefeuille Kepler pour ceux qui sont habitués. Mais il suffit d'aller installer Kepler et vous pouvez le faire même sans avoir de fonds ni Osmosis. Tout ça se fait en testnet. Voilà. Donc on peut soit retourner sur la plateforme. Là, vous pouvez déployer l'Explorer Mainscan pour voir que ça a été bien pris en compte. J'ai bien 136,86 X-Astro qui ont stacké en position flexible. Je vais aller voir ma position. Voilà, j'ai ma position qui est juste là en flexible. Je peux retourner à la page d'accueil. Et cette fois-ci, on va aller faire un dépôt, mais cette fois-ci avec un doublon en LP, c'est-à-dire avec des astros et des X-Astros. Donc je vais faire un deposit. Pareil. Alors je ne le mets pas beaucoup au fur et à mesure. Ça me permet d'y aller un peu tous les jours jusqu'à la fin où je ferai les retraits. Voilà, je fais sur deposit, hop, et je confirme la transaction. Donc c'est un testnet simple à faire. Il vous permettra d'avoir des avantages sur la plateforme Eclipse et peut-être un airdrop sur Equinox. Je dis peut-être parce qu'on n'est jamais sûr de réaliser des testnets et d'avoir des tokens en retour, mais c'est un des testnets qui est existant actuellement, qui vient juste de sortir aujourd'hui. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Évidemment, vous allez avoir une période ensuite de retrait. D'accord? Donc cette période de retrait, elle va être du 17 au 19 juillet, c'est juste ici. Hop, voilà. Donc à partir du 17, vous aurez donc la phase de retrait afin donc de suivre le déroulement de ce fameux testnet. Donc je vous invite à aller voir Equinox, le document où ils expliquent tout en fait. Hein. On va avoir donc à réclamer donc les éclipses astro ici. Okay. Ensuite, on doit staker les Eclipse Astro en Second Side et aussi en Liquid Provider. On va avoir à voter ici, d'accord, avec les VX Astro qu'on a touchés.
Et ensuite, vous aurez donc à participer, à échanger directement sur les distributions. Voilà. Le lock drop était tous les détails de ce que vous pouvez faire en deposit de phase, en read-write phase. Tout est écrit là, je vous mets les liens en description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite un bon testnet public, lock drop avec Equinox.